J'espère que vous allez bien et très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui nous découvrent la première fois, sachez que je m'appelle Samuel Savadogo, je suis coach en crypto-monnaie, je suis investisseur, marketeur et trader. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines informations que nous sortons tout simplement ici. Un grand plaisir de vous retrouver ce matin, mais avant de continuer, je tiens à préciser tout de suite là maintenant, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que j'ai fait ici est à titre d'information. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prenez tout simplement le temps de faire vos petites recherches avant tout simplement de vous aventurer. Tout ceci étant dit, nous rentrons dans le but du sujet d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est de parler arnaque crypto-monnaie. Arnaque crypto-monnaie. Piratage crypto-monnaie. OK? Donc, avant d'entrer dans le but du sujet, on est dans le coin market cap et nous avons un bitcoin qui tourne autour des 67 000 dollars. Une légère correction sur les marchés de la crypto-monnaie. Voilà, donc ça a corrigé. On a une bougie qui est en train de naître ici, une bougie haussière qui tente de retourner vers les 70 000, 71 000 dollars. Mais bon, on attend de voir ce que les marchés nous réservent. Pour le moment, vous voyez qu'on est dans les ranges là, donc on bouge pas, on fait pas grand-chose pour le moment. Donc voilà, l'Ethereum est à 3 700 et ainsi de suite. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose, pour vous parler également de sécurité. Donc, lorsque vous rentrez dans la sphère de la crypto-monnaie, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sécurités que vous devez mettre dans vos différents portefeuilles. Voilà, que ce soit les échanges, c'est-à-dire les portefeuilles centralisés, les portefeuilles décentralisés, vous devez mettre un certain niveau de sécurité. OK? Donc, si ces niveaux de sécurité ne sont pas mis, vous allez constater que, voilà, il y a très généralement des personnes, non, des hackers, parce qu'ils ne dorment pas. Ils sont là, ils veillent pour voir les portefeuilles qui ont des petites failles, tout ça. Et leur objectif, c'est de tout simplement vider votre argent. Donc, si vous n'avez pas de sécurité, en fait, dans votre compte, tout simplement, vous allez constater que, voilà, on pourra tout simplement vous pirater à tout moment, quoi. OK? Donc, ici, moi, je vous montre un mail que j'ai reçu ce matin. Voilà. C'est l'un des échanges centralisés Orange X. C'est l'un des échangeurs centralisés que j'utilise souvent pour des petits trucs très rapidement. Et donc, ici, voyez, on m'a envoyé un mail, chers des amis, ici, ça. Cet email est dans le but de vous informer d'une tentative de connexion échouée sur votre Orange X. Voyez? Échouée. IP. Voici l'adresse IP que la personne a utilisée. Rejoint. Pays-Bas. Voyez? Depuis Pays-Bas, appareil de navigateur mobile, c'est avec comment on appelle, un téléphone portable avec Safari qu'il a utilisé sur Android. Voilà l'heure à laquelle la personne a essayé tout, 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 tout. Si vous n'avez pas effectué cette tentative, veuillez contacter immédiatement notre service client via les chats directs et envoyez-nous ou envoyez un mail, voyez. Bon, déjà, la connexion a échoué. C'est pas moi. Mais du fait que j'ai sécurisé mon portefeuille, du fait que j'ai mis une sécurité avancée, le gars, il a réussi tout simplement à avoir accès au compte. OK? Certainement à partir du mail et puis du mot de passe. Mais étant donné qu'il y a une autre sécurité qui va au-delà de cela, d'autres types de sécurité qui va au-delà de cela, alors la connexion a échoué tout simplement. Vous voyez? Parce que moi, j'ai d'autres types de sécurité que j'ai mis dans mon compte qui te permettent. Tu peux avoir accès certainement à mon mot de passe, tu peux avoir accès certainement peut-être à mon adresse email. Mais il y a d'autres types de sécurité qui a été mise dans le compte de sorte que même si tu as accès à tout ça, tu ne pourras pas tout simplement avoir accès au compte ni pouvoir effectuer des opérations dans le compte. C'est ça en fait la sécurité. OK? Donc, faut savoir que dans ce marché haussier qui est en train d'arriver, les arnaqueurs sont partout, les voleurs sont partout, les pirates sont partout. Donc, il faut faire très attention, il faut avoir des sécurités avancées dans vos différents portefeuilles. C'est pour cela que je voudrais inviter toute personne qui découvre cette vidéo à nous rejoindre à Sam Business Community. Nous avons créé Sam Business Community. À la description de cette vidéo, vous verrez tout simplement notre plateforme www.sbcommunity.net. C'est notre site internet. Vous pouvez vous inscrire à partir du site internet pour rejoindre tout simplement Sam Business Community. À Sam Business Community, vous avez non seulement une formation complète et avancée en crypto-monnaie, mais également, vous avez tout simplement une formation avancée également sur les actions. Vous avez une formation avancée sur l'immobilier tokenisé. Vous avez également une formation avancée sur les staking et le trading automatique des crypto-monnaies, etc. Donc, à Sam Business Community, vous serez formé. Au-delà de la formation, vous avez également des informations qu'on vous donne, c'est-à-dire, nous analysons les marchés de la crypto-monnaie en temps réel et vous donnons les crypto-monnaies les plus prometteurs possibles pour vous permettre de gagner énormément d'argent. Comment multiplier votre capital par 10, par 100, par 1000, par 10 000, etc. Pour ne pas exagérer.
mais c'est tout à fait possible. Donc, au-delà des dons de ces crypto-monnaies que nous donnons dans la communauté, nous donnons également les signaux d'action. Voilà, les actions de Tesla, les actions de Microsoft, les actions de Nvidia. Vous avez vu tout dernièrement l'action de Nvidia qui a explosé de 500 à plus de 1000 à plus de 1050 dollars. C'était vraiment énorme, quoi. Et là, nous avons profité en fait de cette action-là. Donc, au-delà de la formation que vous pourrez obtenir, vous aurez tout simplement des signaux de crypto-monnaie, des signaux d'action et bien d'autres. OK? Donc, je vous invite à rejoindre notre communauté, la communauté des investisseurs millionnaires. Vous avez un lien dans le groupe qui vous permet pardon, un lien à la description de cette vidéo qui vous permet d'avoir accès à notre plateforme. Vous pouvez vous inscrire et effectuer un paiement en USDT, BEPV et automatiquement vous avez accès à la plateforme. Une fois que vous avez accès à la plateforme, vous avez toutes les formations et les informations. Vous allez dans la section formation, vous avez la formation en crypto-monnaie, la formation en action. Vous allez dans la section des crypto-monnaies, vous avez les crypto-monnaies qu'il faut acheter. Vous partez dans la section des actions, vous partez dans la section des trading automatiques. En tout cas, à partir de votre back office, quel que soit là où vous vous trouvez à travers le monde, à partir de votre espace même, vous pouvez voir toutes les formations et les informations que nous fournissons également. Donc, c'est une grande communauté. Donc, je vous invite à rejoindre maintenant. Si vous voulez éviter ce genre de pirates, si vous voulez éviter, parce qu'une chose est sûre, c'est d'acheter les actions, c'est d'acheter les crypto-monnaies, mais une chose est très, très sûre, c'est de pouvoir les sécuriser. Si vous n'avez pas une sécurité avancée, vous allez vous retrouver avec un portefeuille vide un bon matin, quoi. Donc, du coup, il faut rejoindre la communauté pour avoir des formations très avancées pour vous aider tout simplement à entreprendre dans le monde complexe de la finance et de la crypto-monnaie. Je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. C'était Samuel Savadogo. C'est un grand plaisir pour moi de toujours vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et de tout simplement liker et de laisser un commentaire si possible. Au revoir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.